Messieurs et dames, bel bonjour. Nous comptons vos autres et retrouver vos autres pour un nouveau rendez-vous à Parole la vie. Donc, aujourd'hui là, nous allons traiter d'un sujet qui est très délicat, donc, mais qui a concerné nous toutes, sachant que nous avons une société qui majoritairement, là, nous sommes des personnes qui disent croyants. Donc, aujourd'hui là, nous allons parler d'un passage de la Bible qui est Éphésiens 5. Versets 22 à 24, c'est le passage où on dit que, en gros, parce qu'on va vous laisser, effectivement, on ne va pas tout vous lire, on va vous laisser le soin chez vous d'aller le chercher, de lire, le lire en même temps que nous, que le mari doit être sous, que la femme, attention, doit être soumise à son mari. Donc, c'est un passage qui peut soulever beaucoup de confusion, effectivement, dans un couple, même dans les relations hommes-femmes, parce que certains s'en servent, en fait, pour le retirer de son contexte, et puis qu'on puisse trouver une certaine autorité dans certains couples et notamment dans les relations hommes-femmes. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui est délicat. Nous espérons que de chez vous, vous allez nous aider à débattre autour de ce sujet, nous appeler pour nous donner votre version, votre interprétation, et nous allons essayer d'arriver à une interprétation logique et qui puisse arranger tout le monde en présence de nos différents invités. Donc, on ne présente plus Olivier. Bonsoir à tous. Qui, je suis sûr, a fait beaucoup de lectures, j'espère. C'est vrai que j'ai lu, j'ai relu. C'est un passage que je connaissais plus ou moins, puisque je suis marié. Donc, lors des préparations au mariage, on nous invite aussi à... On nous fait la lecture, on nous invite à regarder. Cela dit, j'ai quand même regardé de nouveau. Et puis, j'ai regardé un petit peu aussi... j'ai mis en parallèle, si tu veux... l'interprétation religieuse de la vie religieuse de la Bible et des faits de société. D'accord. Donc on va comparer un petit peu, on verra que il y a beaucoup de choses de la société qui reposent en fait sur la religion. Enfin, à mon avis. Nous aurons un plateau essentiellement masculin cet après-midi. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Donc nous avons avec nous Kevin. Bonjour. Je te présente. Donc Kevin, je suis étudiant, voilà, et donc c'est un sujet qui m'intéresse aussi puisque je participe assez souvent à des lectures bibliques. Donc voilà, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. Merci Kevin qui participe pour sa première fois. Voilà. Et le pasteur Vanito. Voilà. Bonsoir et bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir à tout un chacun. Puis, je suis pasteur de l'Église évangélique de la Miséricorde, pasteur depuis 22 ans, après des études de théologie, études universitaires. Donc, je crois que le sujet est bien à sa place, puisque le couple, mariage, je connais pour en avoir déjà célébré. D'accord, merci beaucoup. Donc, je vous rappelle que l'émission est en direct et de chez vous, pouvez nous appeler, nous donner votre avis, votre interprétation, comment vous le vivez, comment vous le sentez. Est-ce que vous aussi, vous êtes déjà posé des questions sur ce passage? Est-ce que ça vous est arrivé d'en discuter avec votre entourage ou avec votre compagnon ou votre compagne? Donc, voilà. Donc, juste pour rentrer dans le vif du sujet, nous allons lancer le micro-trottoir à tout de suite. La Bible dit « Femmes, soumettez-vous à votre mari ». Comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Qu'en pensez-vous? Voilà, le verset, là, il a toute son importance dans la mesure où, quand Christ le demande, lui qui a une mère, il ne demande pas à la femme d'être soumise comme une esclave. Hein. Il demande, dans ce sens-là, avoir du respect l'un et l'autre. Hein? Et que l'homme aussi puisse avoir ce devoir-là de respecter sa femme, hein, afin qu'elle lui renvoie cette soumission. Il ne peut pas être soumise comme une esclave, là, non. Il y a une égalité dans cette chose. Ce que j'en pense, c'est que la Bible a raison dans un sens, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus que l'homme profite de cet enseignement pour soumettre la femme à faire tout et n'importe quoi, puisque... Même si la Bible nous dit qu'on doit se soumettre à l'homme parce que, même si le mari est le chef de la femme, je pense que nous sommes tous égaux en tant que femmes et hommes et que nous avons tous notre mot à dire, même si c'est vrai que l'homme est perçu comme étant l'homme fort qui ramène le pain, etc. Mais la femme aussi a
son rôle dans une vie à deux et dans l'Église aussi. Le mari est le chef de la femme ou de la famille? C'est pas ce que l'Église dit. Le chef de la famille? Le chef de la famille. Hein. Mais le mari n'est pas le chef de la femme. Ainsi, c'est quelqu'un qui lit la Bible, qui suit la Bible, qui met en pratique les paroles de la Bible. Eh bien, elle va suivre ce que dit la Bible. Moi, elle dit que c'est vrai. Ouais. C'est bien d'avoir une compagne qui te suit partout où tu vas, tu vois. C'est tout. Après, il faut qu'elle te soutienne, mais il ne faut pas qu'elle soit en contradiction avec ce que tu dis. Peut-être que c'est la sagesse qui te dirige, tu vois. Donc voilà. Oui, je trouve que c'est intéressant parce que ma mère, elle travaille et elle gagne plus d'argent que mon père. Et c'est intéressant parce qu'elle ne soumet pas à lui. Mais aussi, tout le monde devrait soumettre au Seigneur. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont répondu au micro-trottoir. Donc, nous avons un autre invité. Quand même, il fallait que la jambe féminine soit représentée. Donc, Ingrid nous a rejoint. Merci beaucoup. Je te laisse le soin de te présenter. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Ingrid et j'ai 23 ans. Merci beaucoup. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Donc, je vais commencer par la femme quand même. Donc, tu connais le sujet de cet après-midi. Tu es très jeune. Oui. Éphésiens 5, passage de 22 à 24. Mm-hmm. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Tu peux en faire la lecture si tu veux. Alors, vas-y. Alors, il est dit que les femmes le soient à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est chef de sa femme comme le Christ est chef de l'Église. Lui, le sauveur du corps. Or, l'Église se soumet au Christ. Les femmes doivent donc et de la même manière, se soumettre en tout à leur mari. Que penses-tu de ce passage? Quelle est ta version, ton interprétation de ce passage? Que la femme doit aimer son mari. Que la femme doit aimer son mari comme l'Église aime Jésus. C'est simple que ça. Je ne vois pas l'affaire de l'Est ou d'autres choses. Parce que je sais qu'il y a une phrase qui m'avait marquée, c'est que la femme est écrite à partir du côté de l'homme. Alors, on m'avait dit que c'était sous son bras pour être protégée, côte à côte pour être justement son égal et près du cœur pour être aimée. Voilà, c'est ta version des choses. Est-ce que tu peux comprendre à l'heure d'aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, où effectivement la femme cherche sans cesse à être l'égal de l'homme, à réclamer une certaine parité? On n'entend pas. Ok. Ben, on va passer juste à notre invité. C'est les aléas du direct, le temps de régler un petit souci technique. Donc, pasteur, je vais m'adresser directement à vous. Vous allez écouter le micro-trottoir, les interprétations des uns et des autres. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce micro-trottoir d'une manière générale? Alors, en gros, je crois que ça traduit un peu ce que pensent la plupart des gens. Néanmoins, il y a à remettre des choses en place. Parce que déjà, le terme chef, qui est le mot képhalé en grec, qui devrait plus se traduire par tête. Bon, je préfère la traduction tête. Les versions second traduira chef, mais dans un contexte où l'homme se croit déjà macho, si on lui dit qu'il est le chef, il risque d'interpréter cela littéralement comme je suis le patron. Je suis le chef. Alors que le képhalé, la tête, on voit déjà une autre approche. Si je suis la tête de ma femme, si je dis je suis ta tête femme, je ne suis pas en train de lui dire que je suis ton chef, ça ne sonne pas de la même manière. Et on a une autre approche à ce niveau-là. Alors je rejoins très bien notre amie hein, quand elle fait référence à la création de la Genèse. L'homme est le képhalé, la tête de la femme parce qu'il a été créé le premier. Il y a une notion d'ordre créationnel. Et certes, quand il est dit que la femme est sortie de l'homme, issue d'une côte prise de l'homme, donc on comprend bien que si les enfants sont soumis aux parents, c'est parce qu'ils sont sortis des parents. Donc la femme étant sortie de l'homme est soumise. Mais cette notion de soumission, le mot hypotasso, se tenir en dessous
de l'homme ne veut pas dire laisse ou tu es écrasé, tu n'as pas droit à la parole. Malheureusement, certains l'ont ainsi compris. Femme, tais-toi, hein, tu n'as rien à dire. Alors que la soumission, ce n'est pas femme, tais-toi. Certes, on a parlé aussi d'une notion d'égalité ou d'infériorité. La Bible ne parle pas de la relation de couple en ces termes-là. La Bible va parler d'une notion de complémentarité. L'homme et la femme ne sont ni inférieurs ni égaux, mais complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pourquoi Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, on peut comprendre, et je me rappelle toujours d'une femme qui m'a dit un jour, « Pasteur, il faut expliquer à mon mari cette affaire de chef-là, parce qu'il a déjà hypothéqué la maison, il a déjà tout fait, et puis il a dit « Je suis le chef ». Ah bon? Donc, voyez un peu comment ça peut déraper. Quand on parle du terme « chef », ça donne le pouvoir. Alors que dans le concept qu'il fallait, l'homme, la tête de la femme, ou chef si on préfère, ça sous-entend qu'il est responsable. Ça lui donne des responsabilités. Notamment, il est responsable de sa famille. Responsable de sa famille. Et surtout, le verset, dans son contexte, ne va pas sans mari aimer vos femmes. Si okay. on enlève du contexte, c'est de la tyrannie, c'est de l'esclavage. Mais quand on voit ce qui est demandé à l'homme par rapport à la femme, on voit tout de suite que la soumission, c'est rien du tout. Parce qu'on lui dit, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Mmh. Et le verbe agaparo qui est employé, c'est l'amour au plus haut degré. C'est l'amour de Dieu qui descend jusqu'au niveau de l'homme. Ce n'est pas l'érotisme, eros, ce n'est pas l'affection, c'est l'amour de Dieu. Le mari doit aimer sa femme de l'amour de Dieu. Donc, on voit le niveau de l'amour qui est demandé. Alors, quand on demande à la femme d'être soumise, alors, si un mari l'aime comme Dieu aime le monde, il n'y a pas de problème à cela. Oui. Il n'y a pas meilleure soumission, vous voilà. Dire. Il n'y a pas de complication à cela. Il n'y a pas de difficulté. Mmh. Toutes les fois qu'une femme va dire non, je refuse la notion de soumission, c'est souvent parce que la chose a été vécue comme étant une sorte de despotisme ou encore de l'esclavage ou une tyrannie. Tais-toi, tu n'as pas le droit à la parole, c'est moi le chef. Donc là, on peut comprendre. Mais ce n'est pas du tout ce que Dieu entend par soumission. Kevin, tu es jeune. Jeune homme en couple. Et le plus souvent, on a l'impression en fait que c'est les hommes qui comprennent mal ce passage. Mais je ne peux pas être plus d'accord avec mon cher ami pasteur. Et j'estime qu'il devrait justement former d'autres pasteurs dans certaines dimensions qui disent tout le contraire. Effectivement, il y a un très gros problème de perception des écritures aujourd'hui où la femme est réduite à un objet. Et je pense que cela vient d'une mauvaise interprétation des Écritures, de leur globalité, parce que lorsqu'on lit l'Ancien Testament, effectivement, dans la culture hébraïque, très archaïque et très ancienne, la femme n'a pas de statut. Et lorsqu'on n'a pas l'œil qui est très aiguisé pour lire cela, on ne voit pas que dans toutes les Écritures, il y a une évolution de la position de la femme dans les Écritures, et on doit être capable de faire la différence. Donc effectivement, lorsqu'on essaie de suivre la pensée de l'apôtre Paul qui écrit à ce sujet, effectivement, le point de référence, c'est Christ. On doit aimer comme Christ a aimé l'Église. Donc forcément, une femme qui aime son mari, qui est soumise à son mari, aime un homme qui est censé être l'image de Christ. Or, l'image de Christ, c'est l'amour. Donc je ne pense pas qu'une soumission est demandée à un tyran, mais une soumission est demandée à un homme qui est censé donner de l'amour comme Dieu donne de l'amour. Et il ne faudrait pas oublier, et je suis très content, pasteur, que tu as fait cette précision avec les termes grecs, qu'on traduit très mal malheureusement aujourd'hui. Si je prends par exemple cette timbale, j'espère qu'on la voit à la caméra, et que je la mets sous ma main est soumise. Elle est soumise, mais si je la retire, la timbale, elle tombe. Donc le mot soumission, le fait d'être en dessous, ne donne pas un statut de torchon, mais donne un statut de fondation. Quand vous êtes en dessous de quelque chose, c'est que vous soutenez quelque chose. Et lorsqu'on suit la pensée de l'apôtre Paul dit que la femme n'est point sans l'homme et que l'homme est point sans la femme. Ça va dans les deux sens. Donc effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il est très important, comme le pasteur le souligne, de mettre les choses convenablement dans leur contexte et de voir que dans les Écritures, en tout cas dans le Nouveau Testament, parce que ce n'est pas la même chose dans l'Ancien, mais en tout cas dans le Nouveau Testament, pour nous qui nous réclamons d'être chrétiens, notre culture chrétienne, les Écritures font véritablement une focalisation sur une complémentarité. Il y a des différences
effectivement évidente chez les hommes et les femmes. Malheureusement, la société a fait de ces différences des prétextes pour une infériorité ou une supériorité qui n'a pas lieu d'être. Je reviens vers Ingrid en espérant que le micro fonctionne. Juste avant de prendre notre premier appel, donc juste que tu puisses rappeler ta définition avec les oui. codes. Ce que je disais, c'est que j'avais vu ou lu en quelque part que la femme a été créée avec la côte de l'homme, voilà. Donc juste en dessous du bras, c'était pour être protégée, à côté pour être son égale et près du cœur pour être aimée, voilà. Donc la soumission, là, c'est... Voilà, ben, je rejoins ce qu'ils ont dit. Hein. C'est très joli, d'ailleurs. Je pense que c'est inspiré. D'accord. Est-ce que tu as remarqué qu'autour de toi, il y a des hommes ou il y a des femmes qui ont déjà interprété ou retiré cette phrase de son contexte, en fait, pour... Oui, c'est déjà arrivé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de l'expliquer En fait, non, pas spécialement, mais j'entends effectivement les gens qui se disent que la soumission, c'est plutôt une affaire de macho, en fait. Oui, femme, tu fais ci, femme, tu fais la cuisine. c'est vrai que j'ai déjà entendu ça. Mais après, j'en parle pas spécialement. Après, je connais aussi pas mal de féministes. Mais bon, je pense que chaque personne a une place dans la société, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, et qu'il suffit juste en fait qu'on la trouve en fait, cette place. D'accord, merci. Ouais. Nous avons notre premier appel, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, carrément. Alors, je voulais vous signaler qu'on parle à la place de la femme. Mais il y a deux parties dans la Bible qu'on oublie souvent, on ne va pas oublier. Oui. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 7, 11 et 27. Il est dit, dès maintenant, ça veut dire en l'année 2015 là, dès maintenant, les uns, les autres sont également membres du corps de Christ et reçoivent tous un don de l'Esprit pour l'utilité commune. Vous allez dans Galates, chapitre 3, verset 28. Au point de vue du salut en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Alors, si on apprenait aux jeunes d'aujourd'hui que la femme est égale à l'homme et l'homme est égal à la femme, il n'y a pas de grand point ni terme chef, ni grand chef, ni petit chef, ni rien du tout. Je dis que ça nous fait comprendre que bon Dieu emmène l'homme autant que la femme, au même niveau. Parce que Dieu nous dit, faites un, devenez un comme moi. Ça veut dire que Dieu veut qu'on s'élève à son niveau. Il ne pas dire comme ça, l'homme élève toi à mon niveau et puis la femme était derrière. Il parle de l'homme comme de la femme. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de sexe. Hein? Et allez. Comment vous comprenez qu'il y ait des personnes qui ont du mal à comprendre la phrase que ça, la phrase qui gêne en fait. C'est le terme femme, de chef. Femme, soyez soumise à vos maris. Ah ben, je vous explique pourquoi. Allez-y. Parce que les gens n'ont pas reçu, comment vous dire ça, ils n'ont pas expliqué convenablement les choses. Vous comprenez? Alors c'est pourquoi il y a beaucoup qui sont dans l'erreur. Je vais vous donner un petit exemple pour dévier un petit peu. Hein. D'accord. Dieu nous dit, en Jésus-Christ, nous avons tout pouvoir sur le mal. Mais gardez mon gars avec un bois. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. On n'a jamais expliqué correctement parce qu'on veut, parce que dans l'église même, vous avez des gens qui parlent de Dieu, mais qui ne sont pas avec Dieu. Hein. N'oubliez pas que Satan a un pouvoir qu'il a gardé toujours. Hein. Donc il faut, vous voyez le pasteur qui est, sur la, qui est avec vous là. Oui. Vous avez vu qu'il a, il s'est basé sur la Bible. Oui. Où lire. Oui. Combien de monde vous voyez qui est dans l'église, que ce soit l'église là. Hein. Oui. Le gars ne parlait pas, il va prendre Bible, il va lire devant vous. Et c'est comme ça qu'on peut interpréter n'importe quoi, n'importe comment. D'accord. Tu lis exactement ce qui est dans la Bible, c'est la loi de Dieu qui est dedans. Et ainsi, tu évites les erreurs. D'accord. Voilà. Moi, j'ai mon ami, quand il demande à ses enfants de mettre la table, et bien, il y a des garçons comme ça, ou pas en forme, ou pas en à mettre la table. Ah bon? Moi, il a dit, mais je suis désolé, ta fille, comme ton fils, est aimée de Dieu. Bon, j'ai regardé tous les deux comme il chie, hein. Il va avoir un scientifique à ce côté. C'est un petit bonhomme, vient. Il faut qu'on arrive à faire comprendre aux gens que l'amour, c'est quelque chose qui est éternel et qui passe en tout lieu. La journée qu'on la nuit, hein. Oui. C'est un esprit qui travaille. Hein. Pour Dieu, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit.
C'est la seule personne qui ne, ni ne dort, ni ne sommeille. Mais est-ce qu'il y a des camarades qui j'ai dit ok, dans la Bible, ça écrit qu'elles font femme soumettre lui à Marie. Est-ce que j'ai rencontré des cas comme ça? Ah si, 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 avec tous les jours, on dit ça. Et qui ont réagi? Ah non, mais les gens qui habitent dans les gens, on va parler de franchement. Ok, il n'y a pas avant ça, mal. Ah non, il y a quelqu'un, parce que, madame, je vous dis quelque chose. Quand vous parlez aux gens, si moi, je viens, je dis comme ça, vous pour l'aider. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit bonjour? Vous pouvez dire bonjour. Par contre, si je te dis, jeune fille, jeune femme, habille-toi correctement, habille-toi autrement, tu vois? Oui. Hein? Pour que le, parce que le monde est toujours regardant. Hein? Donc, oui. Mon Dieu, bon, Dieu, si vous regardez. Vous n'avez pas ni baillé. Alors, Dieu vous a donné deux yeux, c'est pour regarder. Oui. C'est ça, à vous d'interpréter les choses autrement. D'accord. C'est ça le plus important quand vous allez dans l'église. Vous mettez des pasteurs et tout ça. Ah, pas regarder madame là. Alors, comment venir en skin? Vous pouvez regarder. Vous regardez, mais la différence, quand tu es dans le Christ, tu vas regarder pour aller dire à la personne, c'est pas bien de t'habiller comme ça, mais gentiment, effectivement, tous individuellement, c'est vrai, en douceur. Oui. Pas les dire comme ça, et quand on est à voir dans l'église, là, voilà. Non, non, parce qu'il y a des gens qui parlent comme ça aux gens. Absolument. Quand tu sais que tu ne sais pas ce qu'il faut dire à la personne, tu dis au Saint-Esprit, guide-moi, conseille-moi. Parce que Dieu nous a dit, demande, mais nous pas amender. Ouais. Il y a plein de gens qui ne prient pas. Hein. Moi, c'est... j'ai mon cousin, quand je parle de Dieu, il me dit, bon Dieu, il a fait moi. Ah. Mais il m'a dit, mais bouchi, il a dit, mais bon Dieu, ça, c'est mon cousin. Il m'a pas demandé. Il m'a dit, mais non, le Seigneur Tout-Puissant t'a dit, demande. Alors, tu dois demander, parce qu'il y a ce côté, comment vous expliquer, cette autorité divine. On n'a pas expliqué suffisamment aux gens que Dieu, c'est le respect total. Parce qu'il y en a nous, mais il a réclamé aussi quelque chose. Hein. Oui. Et moi, plus que tout, parce que c'est un Dieu jaloux, hein. Pas la jalousie l'homme, hein. La jalousie divine. Et moi, plus que tout. Donc ce qui fait que tu dois demander au Seigneur tout ce qu'il faut. Pas demander vini papier. Ou ça vous arrivez CM2, vous allez demander vini papier, vous avez une formation pour ça. Bien que, bon Dieu peut choisir vous vini papier. Hein. Parce que tout est possible à Dieu. Je vais laisser le téléphone pour les autres. Merci. Et puis encore une fois, que Dieu vous bénisse tous. Merci. Toute la Martinique et le monde entier, en tout lieu et en permanence, je demande au Seigneur Tout-Puissant de bénir, parce que le monde est en bêtise en ce moment. C'est... J'aimerais bien que les pasteurs se réunissent, les prêtres, archevêques, toute connotation religieuse. On ne peut pas garder des affaires catholiques, adventistes. Il faut qu'on arrive en ce moment, il faut qu'on arrive. C'est ce que je souhaite le plus au monde. Qui se réunissent et puis nous remplissent Stade Dillon. D'accord. Toute catégorie religion. Et puis qu'on prie vraiment pour Dieu, pour glorifier Dieu vraiment. D'accord. Alors, une célébration œcuménique. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Merci de suivre l'émission. Merci de participer. Est-ce que nous avons un autre appel? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? On vous entend, monsieur, allez-y. Bonsoir. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Par contre, est-ce que vous pouvez juste baisser, s'il vous plaît, le... Je ne suis pas tellement d'accord avec ce que le monsieur a dit tout à l'heure. Volume de votre télé. Il y a quelqu'un? Non? Si, il y a quelqu'un, en fait. Il y a la télé qui joue. Allô? Monsieur a dit tout à l'heure. Oui. Parce qu'en fait, la Bible dit qu'il y a Dieu a mis une hiérarchie. Et là où il n'y a pas de hiérarchie, c'est l'anarchie. Il a dit que Christ est le chef de l'Église et la gloire de l'homme, et l'homme est la gloire de la femme. Et la femme est la gloire de l'homme. Donc il y a une certaine hiérarchie. Donc l'homme représente l'autorité dans le foyer. Donc il y a une certaine hiérarchie, c'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Au commencement, mais qu'est-ce il dit, que vous entendez créé... par autorité? Non, c'est-à-dire que partout où il n'y a pas d'autorité, c'est l'anarchie. Mm-hmm. Dieu, lui, il a mis les choses comme ça, c'est-à-dire qu'il a fait l'homme en tant qu'autorité dans le foyer. Oui. L'autorité dans le foyer, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une question d'être macho. Hein. D'accord. C'est une question d'autorité, il y a une hiérarchie. Partout où vous passez, même dans les entreprises, regardez, il y a une hiérarchie. Les choses sont comme ça. C'est Dieu qui les a mises comme ça. Donc, il a mis l'homme en, comment dire,
c'est pas qu'il domine sur la femme de façon macho, mais l'homme il est en premier dans le foyer, après la femme. C'est pour ça qu'il a dit que à la femme d'être soumise, en fait. D'accord. Donc il y a une certaine hiérarchie que Dieu a mis, et au début de la Bible même, il dit qu'il n'a pas créé l'homme la femme à cause de l'homme à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Donc on montre bien que Dieu a fait les choses d'une certaine façon. Il sait pourquoi il a fait comme ça. Et en plus, ce que je voulais demander au pasteur, hein, sur le plateau, quand Dieu a choisi les 12 apôtres, pourquoi il n'a pas choisi une femme? Alors donc c'est ça qui vous sert de... Non, c'est pas ça qui me sert. C'est une question, parce que je suis la Bible quand même. Et j'ai vu qu'à chaque fois que Dieu choisissait des grands serviteurs, c'était toujours des hommes. Pourquoi il n'a pas choisi une femme quand il a choisi les 12? Il pouvait choisir une femme, pour donner l'exemple. Mm-hmm. Parmi les prophètes, pourquoi il n'a pas choisi une femme? Mm-hmm. Parmi les prophètes. On montre bien que l'homme, c'est la gloire de Dieu. Et la femme, c'est la gloire de l'homme. Il y a une certaine hiérarchie. Tu as fait les choses comme oui, ça. Oui, mais que cette hiérarchie que dont vous parlez, comment elle s'applique dans le foyer, selon vous? Non, dans le foyer, Dieu a mis une autorité qui est l'homme. Oui. C'est l'autorité du foyer. Ça ne veut pas dire qu'il... Ça ne veut pas dire que... Non, ça ne veut pas dire qu'il doit, dominer sa femme comme un esclave. Non, c'est une hiérarchie, comme dans une entreprise. Il y a un chef d'entreprise, il y a des cadres. En fait, il a fait les choses de façon à avoir une certaine ordre, quoi. Parce que partout où il y a le désordre, c'est l'anarchie. D'accord. Donc, c'est comme ça, vous l'expliquez. Oui. D'accord. Donc, je voudrais que le pasteur me réponde sur ça, quoi, parce que je me suis posé la question. Pourquoi, quand Dieu a choisi les 12 apôtres, il n'a pas choisi une femme? Et pourquoi, quand il a choisi ses prophètes, il n'a pas choisi une femme? Donc, je voudrais que le pasteur me réponde question... sur ça, s'il connaît la réponse. Oui, oui, je me fais un plaisir de vous répondre. Maintenant, il faut savoir, dans l'art de l'interprétation de la Bible, il faut interpréter dans son contexte historique, culturel, et on parle aussi contexte littéraire. Donc, quand Jésus, lui, le Messie, est venu, il est venu dans un contexte bien précis. Donc, il est venu dans le contexte du judaïsme. Donc, il allait à la synagogue, forcément. Il allait aussi le sabbat. Donc, quand il a choisi 12 disciples, il a choisi en fonction des 12 tribus d'Israël, où on est dans cette relation toujours en continuité avec le concept juif. Maintenant, dire qu'il n'a pas eu des femmes prophètes, là, vous n'êtes pas tout à fait dans le droit, parce que il y a quand même pas mal de femmes prophètes. Déborah était une femme prophète et qui puisait juge en Israël. Donc, le plus haut niveau qu'on pourrait atteindre à l'époque des juges, hein. Donc on n'est même pas on pourrait dire proche du Nouveau Testament, on est loin, on est après Josué, et à cette époque-là, on a une femme qui est à la fois prophétesse et qui est aussi à la fois juge en Israël, et juge dans le sens même littéral du terme, hein. C'est pas pour dire qu'on lui a donné une petite place, donc elle conduisait le pays. Et il y a eu d'autres femmes aussi en fonction qui ont brillé dans l'époque biblique. Donc vous avez la prophétesse Hulda, vous avez bien d'autres prophétesses qui ont eu cours dans l'histoire d'Israël. Et quand Jésus lui-même est venu, en fait, il va amener une réforme. C'est pourquoi la révélation biblique est allée aussi avec le temps. Donc on dit que la révélation a été progressive. Donc Jésus va initier les femmes autour de lui. Quand vous lisez dans l'évangile selon Luc chapitre 8, on nous dit que Jésus avait beaucoup de femmes qui l'entouraient et qui l'assistaient de leur bien. Vous arrivez avec l'apôtre Paul, vous avez aussi qu'il va initier une femme dans le ministère, parce qu'il va nous parler de Priscille et Aquilas, un couple qui travaille dans l'œuvre de Dieu. Et Paul va parler de d'autres femmes qui l'ont assisté, des sœurs qui ont œuvré efficacement dans l'œuvre. Et puis, comme vous l'avez entendu, quelqu'un a parlé à un moment, dans la visée du Christ, il a instauré ce qu'on appelle le sacerdoce universel. À partir de la nouvelle alliance, il n'était plus question ni homme ni de femme, mais nous sommes devenus un sacerdoce royal, c'est-à-dire les hommes et les femmes sont considérés comme étant des prêtres, le sacerdoce universel défendu par Calvin et Luther, et à ce point-là. Donc on comprend bien que dans la volonté du Christ quand il est venu, il ne s'agissait pas d'être carrément en opposition avec son époque, mais il a mis un prolongement. Parce qu'il s'est trouvé à la fois en rupture avec ce qui se faisait, à point qu'on ne comprenait pas.
On disait qu'il mangeait avec les gens de mauvaise vie. Lui, quand on disait de lapider, Moïse dit de lapider, lui dit je ne te condamne pas. Donc Jésus était vraiment en même temps en continuité parce qu'il est à la fois juif. Il naît dans un contexte palestinien et en même temps, il nous montre la voie qu'il conviendrait de suivre, à savoir à ne pas rester dans un système où on est macho, où on dit que la femme n'a pas sa place. On n'a jamais dit que l'homme n'est pas une autorité, mais ce qu'on souligne, c'est que autorité est une notion de responsabilité. Et malheureusement, force est de constater que beaucoup d'hommes se réclament de l'autorité, mais sont irresponsables. Si on veut être l'autorité, il faut être l'exemple. Et le responsable, Jésus va dire, vous m'appelez maître et seigneur et je le suis, pourtant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc si je veux être un bon chef, je dois être un chef comme Jésus, puisqu'il est le chef de l'Église. Et qu'est-ce que lui il fait en tant que chef de l'Église? Il donne sa vie pour l'Église. Il lave les pieds des disciples, il lave les pieds de l'Église. Il est humble et doux de cœur. C'est ce que Dieu demande au mari. Merci. Oui, bien sûr. Sur ce que le pasteur a dit, je suis vraiment admirablement surpris, pas surpris, mais je suis vraiment content d'entendre vos paroles, pasteur, parce que c'est, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'hommes aujourd'hui en Martinique et dans le monde qui devraient comprendre ces choses. Et l'exemple de ce monsieur qui vient d'appeler est un exemple d'écriture sortie hors contexte. Il y a différentes perceptions de mots. Autorité, qu'est-ce que ça veut dire autorité? Voilà, il faut rester dans le contexte des Écritures. Et lorsqu'on part à partir du Christ qui est l'exemple, la première fonction de Jésus est de donner sa vie et de servir. Donc le mari qui a autorité est celui qui se démène pour son foyer. Ce n'est pas celui qui reste là et puis qui est insouciant et qui ne prend pas soin des siens, comme ça se fait aujourd'hui dans notre société malheureusement. Donc celui qui a autorité, c'est celui qui a justement la responsabilité de pourvoir aux besoins de ses enfants et de sa femme. L'apôtre Paul dit même lui aussi que celui qui aime sa femme la nourrit comme sa propre chair, car il ne peut pas haïr sa propre chair. Et puis je voudrais parler aussi, le pasteur a parlé des femmes dans l'Ancien Testament. À l'époque de Jésus, il y a aussi Anne la prophétesse, d'accord? Et puis, il dit pourquoi Dieu n'a pas choisi des femmes apôtres, mais Dieu a choisi comme symbole de l'excellence la femme comme image de l'Église. Ce n'est pas un homme qui a été pris comme image de l'Église. On est censé être dans la dimension christique, dans un mariage, Jésus qui se marie avec l'humanité, qui est représenté par la femme. Et ça montre véritablement à quel point la femme a une place prépondérante dans le christianisme. Tout à fait. Et on va surtout souligner aussi, si, parce que souvent les gens mettent l'accent sur le fait que le mal, le péché est rentré dans le monde par une femme, mais on nous met de dire que la solution au péché est venue aussi par une femme. Donc quand Christ va mettre en avant Marie, avec cette femme qui va tout sacrifier pour vraiment nous apporter une solution qui est à personne du Messie, c'est que Dieu n'a pas mis de côté les femmes. Ça n'a jamais été son histoire. Et de tout temps, Dieu qui a choisi un peuple initialement va montrer qu'il veut sauver le monde. Pourtant, il a choisi un homme, Abraham, mais en cours de l'histoire de la révélation, il va nous montrer qu'il va choisir Rahab la prostituée qu'il va sauver. Mais Rahab n'est pas juive. C'est une femme païenne qui va intégrer le judaïsme, qui va intégrer du moins la nation juive, et qui, ce faisant, va devenir l'ancêtre du Messie. On va mépriser la mère de David, la femme Bathsheba, mais Salomon va mettre au monde un enfant avec cette femme, mais c'est Salomon qui sera, du moins David met au monde cet enfant, mais c'est cet enfant qui sera l'ancêtre du Messie. Donc nous devrions faire très attention quand nous avons un regard sur ces choses, parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Est-ce que nous avons un autre appel? Bonsoir. Une dernière tentative, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, allez-y, on vous écoute. Oui, alors, je m'appelle Gérard, je suis de Saint-Martin. Oui, Saint-Martin. Alors, oui. Merci. Donc, c'est une émission que vous devriez repasser, hein, parce que le sujet est très, très, très intéressant. J'admire le savoir du pasteur. Vous avez bien fait de l'inviter. Et puis l'autre jeune homme qui est à côté aussi, qui me paraît bien instruit sur
sur ce passage. Donc, moi, j'avoue que j'ai peur de lire la Bible. Je le dis franchement, j'ai peur de lire la Bible parce que je suis sûr que je vais rencontrer que je ne suis pas en conformité avec la Bible. Parce que l'homme... Oui, l'homme adulte, enfin, l'homme... Quand je dis l'homme, je parle de la femme et l'homme, hein? Oui. Connaît ce qui est bien, ce qui est mal. D'accord? Donc, si comme on dit, la femme a été faite à partir d'une partie de l'homme et qu'elle doit être soumise à l'homme, mais comme dit nos invités, c'est vrai, la soumission ne veut pas dire esclavage, ne veut pas dire tu m'écrases, que, comme disait le pasteur, tais-toi, t'as rien à dire et tout ça. C'est vrai, c'est une question de responsabilité. Effectivement. Et si je me rappelle bien ce qu'on m'a enseigné au point de vue chrétienté, c'est-à-dire que c'est que la femme, c'est la c'est le complément de l'homme. Donc ça veut dire que si c'est le complément de l'homme, ça veut dire que les agissements doivent être ensemble, c'est-à-dire doivent être pris en accord. Si ça doit être pris en accord, donc même si un chef, mais on voit pas de l'extra-autorité. On voit une complémentarité, c'est-à-dire un agissement ensemble, d'accord, c'est-à-dire une décision ensemble. Et c'est vrai qu'il y a un responsable. Il y a un responsable. Puisque l'homme a toujours déformé, a toujours mal interprété l'Écriture sainte. Et j'avoue que l'Écriture sainte n'est pas facile à comprendre non plus. Pourquoi l'Écriture sainte n'est pas facile à comprendre? Parce qu'il y a trop de... quand c'est très simple, c'est tellement simple et logique qu'on le déforme. Parce que quand on lit la Bible, c'est logique, on se dit mais oui, c'est comme ça. Oui. Au point de vue agressivité, au point de vue amour, au point de vue tout. Quand on voit le chemin de Christ, on se dit mais c'est pas possible. Aucun homme sur terre va faire ça. C'est vrai qu'il est Dieu, il sait pourquoi il était venu, il avait une mission. Mais quand il est venu, comme il a bien dit, hein, je ne suis pas venu pour apporter la paix, je suis venu pour apporter le désordre. Et c'est vrai, il a mis le désordre, mais quand il a mis le désordre, il savait sa mission, c'est que c'est les autres qui ne comprenaient pas. Et les autres ne comprenaient pas pourquoi, parce que le message de Dieu, c'était « je viens pour vous sauver ». D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Vous m'excusez, je ne vais pas être trop long. Il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est de participer. C'est vrai que je vous dis, j'ai peur de lire la Bible. La Bible est trop juste. Voilà. Merci beaucoup. Et félicitations à vos invités. Vraiment, j'admire leur savoir. Et essayez de refaire cette émission. D'accord, je vais essayer. Je vais essayer, il n'y a pas de souci. Allez, bon après-midi. Merci. Donc, juste avant de prendre le prochain appel, Olivier, quelle est ta vision des choses après tout ce que tu as entendu depuis le début de l'émission? Alors, moi, je vous trouve un peu sévère quand même. Je m'explique. Envers la personne lambda qui lit sa Bible, parce que nous ne sommes pas tous issus de milieux universitaires. On n'a pas tous fait des études, on n'a pas tous fait des études de théologie. Donc c'est vrai que monsieur tout le monde qui lit sa Bible peut avoir une interprétation, je dirais un peu moindre que la vôtre, hein, un peu moins élevée entre guillemets. Bon, il appartient à vous justement de peut-être de prendre des passages de la Bible et de les expliquer, de les éclaircir. Donc vous avez, à mon avis, cette mission quelque part. D'autre part, moi je pense que quand il est dit que l'homme est chef, c'est-à-dire que on attend de l'homme, en fait, dans un foyer, qu'il donne une direction, que l'homme prenne des décisions. Après, ces décisions peuvent être discutées avec sa femme. Mais on attend quand même qu'un homme dans un foyer fasse des choses. Mais cela dit, c'est pas dogmatique. L'homme n'a pas une position dogmatique où voilà, il impose sa direction, il impose sa vision. Mais qu'il prenne des décisions quand même.
qu'il dise à sa femme, bon, ben, j'aimerais qu'on fasse ça. Après, c'est discutable. Et moi, en ce sens, je vois un chef, en ce sens-là. J'aimerais que nos enfants fassent ci, aillent dans telle école, ou pour l'éducation, qu'on prenne telle direction. Après, on en discute. Mais au moins, il fait des propositions. En ce sens, je vois un chef. J'aimerais dire aussi que il est difficile, à mon avis, aujourd'hui, de peu importe le passage de la Bible, hein, de le prendre et de le transposer et d'essayer de le suivre à la lettre au 21e siècle. À mon avis, c'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'il faut lire la Bible, oui, l'interpréter, certes, mais l'adapter aussi. Hein. Et enfin, j'aimerais dire aussi que... nous sommes des hommes, hein. Bon, il y a deux femmes sur le plateau, et même du point de vue des femmes, quand dans un foyer, il y a une femme qui mène le foyer, il y a une femme qui a une position un peu forte vis-à-vis de son mari, et qui prend des décisions, justement, et qui a un mari qui suit, bien souvent, messieurs, l'homme est affublé de tous les noms... Absolument. D'accord. Donc, justement, en ce sens, l'homme doit être un chef, doit donner des directions. Et quand la femme donne des directions, c'est mal vu. Et je terminerai en vous disant que le législateur, à mon avis, je le disais en préambule, s'appuie ou s'est appuyé en quelque part sur la position de chef de l'homme. Parce que quand on regarde qu'en 1901, il y a des propositions de loi qui accordent aux femmes le droit de vote parce que c'était des propositions de loi. On s'inquiétait de savoir si la femme voterait, aurait la même orientation que le mari. Donc c'est pour ça, en quelque part, que la femme ne pouvait pas avant voter parce qu'il fallait qu'elle vote comme son mari. En 1920, sachez que les femmes mariées, à partir de 1920, les femmes mariées peuvent adhérer à un syndicat sans l'autorisation de leur mari. Avant, ce n'était pas possible. Il fallait que la femme ait l'autorisation de son mari pour adhérer à un syndicat. Et j'irai même plus loin. À partir de 1965, une femme peut avoir un emploi sans avoir à obtenir l'autorisation de son mari. Et dispose librement de ses biens propres. C'est-à-dire que, oui, 1965, c'est-à-dire qu'auparavant, sans l'autorisation de son mari, la femme ne pouvait pas avoir un emploi et ne pouvait pas disposer de ses biens propres. Alors, si dans ces phrases-là, on ne voit pas que l'homme était chef, et je vous rappelle que ça, c'était des lois votées, hein, c'est voté par la législation française, donc effectivement, on s'aperçoit que il y a les paroles de la Bible, les paroles religieuses, mais manifestement, la société calque un petit peu, à mon avis, hein, vous donnerez votre interprétation, calque un petit peu ce qui est dit dans la Bible sur la société, sur la manière d'évoluer entre hommes et femmes. Bon, aujourd'hui, ces choses-là ont bien changé, mais on s'aperçoit que 1965, c'est pas si vieux. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Moi, je voulais savoir, le premier miracle de Jésus, c'était quoi ? Il a changé l'eau en vin. D'accord. Et qui est-ce qui lui a demandé, en fait, de changer l'eau en vin ? C'est une femme. Oui, c'est Marie. D'accord. Qui est venue. Donc, Marie a dit qu'on te demande et puis voilà. Elle a dit donc, finalement, la décision... Enfin, ok, il a pris la décision de changer l'eau en vin, mais il a quand même eu un petit coup de pouce, on va dire, voilà, de la femme. Donc moi, je me dis que les hommes, les femmes au foyer, ils ont le droit de prendre décision parce que des fois, les femmes vont peut-être avoir une petite intuition, comme on dit, une intuition féminine, alors que, voilà, l'homme aussi, il peut très bien prendre des décisions. Enfin, voilà, moi, je pense pas qu'il y ait une personne dans un foyer ou autre qui doive prendre uniquement des décisions. Et pour en venir à Ève, effectivement, j'ai l'impression qu'on a, comme on dit que c'est pas par elle en fait que le péché est venu, moi je me dis mais Adam il n'était pas obligé, il pouvait très bien lui dire non mais écoute, Dieu il a dit ça, donc on fait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi, donc bon. Voilà, et je me dis que c'est comme s'il y avait une image, bafouée de la femme dès l'origine, voilà en fait. Et moi je trouve que justement dans l'Ancien Testament des fois, bon...
il y a des femmes qui ont brillé, Judith, Esther, etc. Il y en a beaucoup. J'avais les noms tout à l'heure, bon là du coup c'est parti. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont rayonné, et que ce soit par leur beauté ou que ce soit parce qu'elles ont écouté l'Esprit de Dieu ou par leur prière, peu importe, bref. Il y en a beaucoup qui ont brillé. Et Jésus, lui, je trouve que dans le Deuxième Testament, enfin dans le Nouveau Testament, pardon, il est venu rétablir en fait justement cette image bafouée de la femme, que ce soit la femme adultère, etc. Parce qu'un homme dans un foyer, je me dis, est-ce que si, par exemple, un homme, il est trompé par sa femme, est-ce que monsieur, justement, le chef, comment il va réagir? Est-ce qu'il va pardonner comme le Christ qui pardonne, mais tout le temps, enfin, tout le temps, enfin, voilà, sa miséricorde est infinie. Est-ce qu'un homme, il sera capable de faire ça ou pas, en fait? Moi, je me demande. Donc, les hommes revendiquent l'histoire de « oui, chef, chef, chef », mais est-ce qu'ils sont capables, finalement, de réagir comme le Christ, qui est, justement, amour, en fait? Donc, moi, pour moi, en fait, être un vrai chef, c'est être amour. Parce que prendre des décisions, c'est prendre des décisions dans l'amour. Parce que si on ne prend pas des décisions dans l'amour, à ce moment-là, on est un tyran. Donc voilà, donc je me dis que c'est très bien de revendiquer d'être chef. Mais comme le pasteur disait justement, ça signifie responsabilité. Et responsabilité, amour, enfin voilà. Moi je pense qu'il ne faut pas retirer un mot. Enfin, il y a des mots qu'on ne peut pas dissocier. Je pense que tu as dû mal interpréter ce que j'ai voulu dire. D'accord. Non, c'est une version féminine. Non, tout à fait. Il manque un peu sur le plateau qu'on aurait pu avoir. Je veux dire que ce qu'on attend d'un homme, c'est... Enfin, auparavant, hein, souvent, et les anciens, on entend ça souvent, qu'un homme s'occupe de son foyer. Auparavant, les hommes travaillaient, la femme ne travaillait pas. C'est l'homme qui ramenait l'argent à la maison. Prends responsabilité ou quoi, en tant qu'homme, ou prends femme en caille, ou bailli, bon ben, aille travaille, nourrit famille. En ce sens, bon, l'homme peut être un chef. C'est vrai que l'inverse est peu probable. Ça se fait, mais c'est beaucoup plus rare. C'est-à-dire que certes, on attend que toute la partie religieuse, d'accord, interprétation religieuse, je ne reviens pas, mais il y a une réalité sociale qui fait que souvent, surtout dans notre société, c'est l'homme qui travaillait, la femme ne travaillait pas. Donc, à mon avis, en ce sens, l'homme peut être un chef. Bon, aujourd'hui, ça existe moins, les deux travaillent. C'est vrai, il y a un rapport d'équilibre. Mais si tu veux, je dirais que symboliquement, même dans la manière de faire, je pense qu'une femme attend quand même de son mari, pas qu'il s'impose, mais qu'il soit... qui prenne des décisions justes pour le couple. Oui, j'ai pas dit le contraire, oui. Mais j'ai dit que... C'est ce que j'ai voulu dire. Vas-y, qu'on termine. Non, je n'ai pas dit le contraire, oui. Je disais que ça devait être dans l'amour et que la décision n'appartient pas à une personne, les deux peuvent discuter. Voilà. Non, mais l'amour, c'est incontestable. La terminer. Non, mais ça, je ne remets pas en cause. Olivier Tonoko, c'est moi qui ai l'autorité. Laisse-la terminer. Non, je disais que je ne remettais pas en question ça. Je disais, il n'y a pas de souci pour les décisions, mais il faut que ce soit dans l'amour, que ce soit juste. Chaque personne a le droit de parler dans que ce soit dans un couple ou même au travail ou autre. Voilà, enfin moi je suis d'accord avec Ingrid et Olivier. Je ne pense pas qu'Ingrid contredisait Olivier, peut-être que c'était autre chose, mais pas de contradiction. Je suis d'accord avec toi, il ne faudrait pas non plus diaboliser la position de l'homme en tant que chef. On va parler de science, hein, chose très simple, on sort de la religion. Ne serait-ce que notre constitution physique, déterminée par la nature, pour par exemple nous permettre d'aller chasser, pour permettre la survie du foyer. Ça, c'est un exemple de choses qui attribuent à l'homme une position de chef dans le sens de la direction, de l'initiative. Je n'ai que 28 ans, mais avec toutes les femmes que j'ai parlé, je n'ai jamais trouvé une femme qui me dise « je voulais m'avoir un homme soumis ». Je n'ai jamais vu ça. Et aujourd'hui, les femmes qui ont la sensation d'avoir des hommes trop soumis me disent « j'ai l'impression d'être sa maman et ça ne me convient pas ». Et je n'ai jamais trouvé une femme dans un couple qui accepte d'endosser le rôle de maman de son conjoint. C'est inacceptable. Donc on voit bien que d'un côté, la société pousse les femmes, parce qu'il y a aussi un courant féministe qui pousse à la compétition, mais on voit bien que d'un côté, il y a des femmes qui ont envie de revendiquer cette égalité de chef,
Mais de notre côté, quand l'homme ne tient pas assez ce qu'il a entre le pantalon, il a toutes les voilà, il a tous les problèmes du monde. Donc je pense que dans l'inconscient collectif, je m'ennuie avec ce gars-là. Voilà. Je pense que la société nous pousse à avoir des débats qui n'ont pas dû l'être parce que véritablement dans l'inconscient, il y a des positions qui sont véritablement acceptées. Oui, les femmes aimeraient avoir des hommes qui prennent des initiatives. Alors on va peut-être enlever le mot chef parce qu'aujourd'hui c'est le mot chef qui dérange. Mm-hmm. Un homme qui prend des décisions, pour ses responsabilités. Qui est spontané, qui voilà. Après, comme je disais, ce n'est pas dogmatique, c'est discutable. On va prendre. Mais au moins on donne des décisions, on donne une orientation. Alors, on va prendre le dernier. Non, voilà, je faisais prendre le dernier appel. C'est vrai que la personne a beaucoup attendu, mais c'est vrai que donner la parole à tout le monde, c'est vrai que c'est pas évident. Donc vous pouvez rappeler, mais on ne pourra prendre qu'un appel, malheureusement, ou si vous faites très vite, à la rigueur 2. Donc, on continue sur quelqu'un souhaite tout. Oui, vas-y, Ingrid. Non, c'était juste pour rejoindre Kevin et Olivier également, hein, c'est, il n'y a pas de souci. C'est, comme je disais au début, chaque personne a sa place dans la société. Moi, je fais 1m60, je suis un poids plume, d'accord. Donc, je sais très bien qu'il y a des choses que je ne pourrais pas forcément faire. Quand on regarde Olivier, voilà, il y a des choses que lui, il peut faire, moi, je ne peux pas faire. Voilà, donc je sais très bien que voilà, mais chaque personne doit trouver sa place. Et moi, justement, je n'ai que 23 ans. Et il y a une dame qui a écrit un livre où on dit qu'on ne naît pas femme, on le devient. Donc moi, justement, je veux savoir qu'est-ce qu'être une femme, enfin, qu'est-ce qu'une femme, pourquoi Dieu, justement, a créé la femme, etc. Moi, je veux vraiment rechercher mon identité de femme et qu'est-ce que je dois faire. Je ne veux pas forcément être en compétition avec l'homme, non, ça ne m'intéresse pas, mais je veux être, justement, une bonne femme, être une bonne femme dans la mesure où qu'est-ce que je pourrais apporter à la société, que ce soit aux hommes ou aux autres femmes, aux enfants, voilà. Mais trouver ma place, moi, en tant que femme, et puis permettre aussi à d'autres hommes et à d'autres femmes, comme je disais, je me répète, à trouver également leur place. Et voilà. Quelle est ta vision de la vie de couple, de la relation homme-femme dans un couple, dans un foyer, la place de l'un et de l'autre? Que chacun doit être justement comme... Il y a un auditeur qui parlait de la complémentarité. Voilà, que chacun doit être le complément de l'autre. Que avec la différence de l'un, ben, ça puisse apporter quelque chose à l'autre. Que bon, s'il y a dispute, ben, qu'on se rappelle de 1 Corinthiens 13. Qu'on essaie de se rappeler de ça. Enfin, qu'il y ait beaucoup de communication. Que, voilà, mais vraiment la communication, la discussion. Bon, moi je suis croyante, donc je vais dire la prière. Après, pour ceux qui ne croient pas, ben, toujours, comme je disais, la communication, la discussion, mais vraiment que j'insiste beaucoup là-dessus. Parce qu'on ne parle pas assez. On entend les gens, mais on ne les écoute pas. Voilà, on entend beaucoup, voilà, on parle blablabla. Bla, 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 bla. On a l'impression que voilà, la femme babille, des fois. Parce qu'il peut y avoir des hommes aussi qui babillent, je sais pas. Mais des fois, on entend beaucoup les gens, mais on ne prend pas la peine de les écouter. Donc, que chacun prenne la peine de s'écouter. D'accord. Pasteur, comment on fait pour préparer un jeune couple au mariage à partir de ce passage? Alors, ce qui est intéressant dans la perspective du mariage, c'est déjà le bon choix. Ah ben oui, parce que si on part sur un principe et on fait un mauvais choix, on a beau donner les préparations qui conviennent, ça n'ira pas. Donc, il faut déjà être bien en phase. Et puis, quand on est sûr de ce qu'on veut, ben, Dieu qui a institué le mariage va nous donner aussi ce qu'on appelle des lois du mariage. On ne donnerait pas une voiture à quelqu'un sans que la personne ne connaisse le code de la route. Donc il y a les devoirs conjugaux. Devoir pour l'homme, devoir pour la femme, devoir commun. À partir de là, je crois que tout pasteur, prêtre ou autre devait enseigner les futurs mariés les devoirs conjugaux afin qu'ils sachent à quoi s'en tenir. Et est-ce que c'est un passage qui revient automatiquement dans automatiquement, la préparation? Automatiquement, ce passage-là va revenir parce que ça fait partie aussi parmi des devoirs conjugaux. Aimer, soumission, respect mutuel, etc. Entre autres, il y a bien d'autres passages, mais néanmoins, on ne peut pas passer à côté de ce passage qui me semble est fondateur du mariage. Et si on comprend bien la perspective divine, si un couple vit ce que Dieu dit dans sa parole-là, je me dis qu'on aura un ménage sans nuages.
Si on vit, parce que Dieu a voulu que le ménage soit sans nuage. Maintenant, notre ami a parlé de, en disant, bon, c'est à nous d'enseigner les personnes par rapport à quelqu'un simple du peuple qui lirait la Bible. Bon, je ne demanderai pas que cette personne ait une compréhension parce que c'est quelqu'un qui n'a pas fait des études, mais Dieu va dire qu'il a donné à l'Église des apôtres, des pasteurs, en fait des ministères qui sont chargés de dispenser l'enseignement. Donc, il est dit pour le perfectionnement des saints, afin qu'ils ne soient pas emportés à tout vent de doctrine. Donc, charge à ceux qui se disent pasteurs ou autres d'enseigner. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'ils soient eux-mêmes enseignés. Donc, je pars du principe que nous avons la possibilité aujourd'hui de mettre les choses, d'avoir une vie sereine, une vie d'épanouissement, parce que Dieu n'a jamais créé le mariage pour le malheur de l'homme. Dieu a créé le mariage pour le bonheur. C'est pourquoi quand Adam se lève, il voit Ève, il est dans la joie, il dit de Ish-Homme, il dit je l'appellerai Isha, parce qu'il est dans la joie. C'est la première fois qu'il voit quelqu'un qui lui ressemble, alors il est dans la joie. Donc le mariage est pour le bonheur et non pas pour le malheur. Alors malheureusement pour ceux qui souffrent, ce n'était pas du tout la perspective divine du mariage. Donc nous sommes sur les quelques secondes de fin d'émission. Kevin, est-ce que tu aurais un message à faire passer aux jeunes couples et futurs mariés ou même sommes... dans la relation homme-femme dans notre société d'aujourd'hui? L'homme n'est pas l'ennemi de la femme. Ça, je tiens à le dire parce que j'ai l'impression que dans la société dans laquelle on évolue aujourd'hui, il y a un féminisme étrange que je vois chez les femmes aujourd'hui. Je dirais aux hommes que les femmes ne sont pas nos ennemis. Il y a toujours cette tendance à diaboliser, à salir l'image de la femme et à justifier que les femmes sont des ceci, cela. Les hommes aiment dire ça pour justifier leur comportement. Non, je pense qu'il faudrait, comme Ingrid l'a souligné tout à l'heure, s'écouter. L'homme a un langage, la femme a un langage. Ce sont des langages qui sont différents, mais qui sont différents pour se compléter, non pas pour s'effriter. Voilà, donc apprenons le langage l'un de l'autre. Merci. Ingrid, un message? Eh bien, ce que j'aurais aimé dire, c'est que si on agit en fait, essayons d'agir donc par amour, dans l'amour, que ce soit qu'on soit en couple ou pas en fait, mais. Et que j'aime beaucoup ce passage que j'ai cité tout à l'heure, 1 Corinthiens 13. Donc, alors, l'amour, on peut m'aider, que l'amour, voilà, que, voilà, il est patient, c'est la bonté, il ne fait rien de malhonnête, que voilà, que c'est la vérité, voilà. Qu'il supporte tout, qu'il pardonne tout, etc. Et en fait, c'est vrai que dans la vie, si on s'attache à ce passage-là, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on arrive à comprendre autrement. Il y a des choses qu'on faisait avant qu'on ne fait plus en fait maintenant. Donc voilà. Donc qu'on soit homme ou femme. On peut même faire une émission dessus. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on est prêt à pardonner tout au nom de l'amour? Voilà, c'est ça. Et puis des fois on fait des choix égoïstes. Moi j'ai fait des choix égoïstes. On blesse après les autres comme ça. Et donc voilà. Donc qu'on soit homme ou femme, moi je dis juste 1 Corinthiens 13 et puis voilà. Olivier. Moi, je dirais aux hommes, maris, aux conjoints, aux personnes qui vivent ensemble, je m'adresse aux hommes. Vous êtes des chefs de famille, vous êtes, comme il est dit dans la Bible, peut-être chefs de vos femmes, mais ayez une bonne interprétation de ce passage. Si vous avez des doutes sur, sur un passage, sur l'interprétation que vous pouvez avoir, dirigez-vous vers des personnes qui connaissent et ces personnes pourront vous aider justement à comprendre les passages que vous ne comprenez pas. Et puis, dans votre vie de couple, ben, sachez donner une orientation à vos familles tout en discutant avec vos femmes ou vos conjointes. Tu assumes pleinement ton rôle de chef de famille. J'assume mon rôle de chef de famille sans pour autant m'imposer. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire. D'accord. Donc on parlait d'autorité et pas autoritarisme. Exactement. D'accord. Donc on arrive à la fin de l'émission. Vous voyez que c'est passé très très vite. Je m'excuse auprès des appels que nous n'avons pas pu prendre parce que c'est un peu difficile. C'est vrai quand on approche vers la fin de l'émission entre les invités et les appels. Mais on vous promet qu'on va se rattraper dans d'autres émissions, n'est-ce pas Olivier? Donc je pense qu'il y aura d'autres passages qui pourront nous intéresser auxquels que je souhaite que nos invités pourront participer et seront
seront libres ce jour-là. Je vous remercie de toujours suivre l'émission parce que c'est grâce à vous qui nous donnons la foi, le courage de continuer parce que, Olivier, j'ai remarqué que ça fait depuis 2011 quand même qu'on est là et on était parti pour un an, donc ça fait 5 ans. Donc, merci beaucoup. Merci à l'équipe technique d'être toujours là pour les micro-trottoirs, les petits aléas du direct. Merci beaucoup et on vous dit à très bientôt.